Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes confortablement installés, bien au chaud, et vous avez raison. Bienvenue en Suède pour la deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Ici, il fait entre moins 5 et moins 15 degrés. La neige est au rendez-vous, le verglas aussi. C'est un des rallyes les plus spectaculaires de la saison, c'est en tout cas le plus rapide. On regarde tout de suite le résumé de la première étape. La Suède offre un rallye particulier, c'est le seul qui se court sur neige, une affaire de spécialistes. Et comme chaque année, les pilotes scandinaves sont donc présents en masse. Pour cette deuxième épreuve de la saison, trois grands favoris se dégagent. Peter Solberg est le premier d'entre eux. Le Norvégien vient ici en voisin avec tous ses supporters. C'est lui qui s'est imposé l'an dernier. J'espère pouvoir refaire pareil. J'adore ce rallye et la voiture me paraît bien. Si on ne connaît pas de problème, eh bien je pense qu'on a une belle carte à jouer. Marcus Grönholm est le premier vainqueur de l'année. Sa nouvelle aventure chez Ford a débuté par un succès au Monte Carlo. Le Finlandais aime ce rallye, il s'y est déjà imposé à trois reprises. Je ne suis pas vraiment en confiance. Je découvre encore ma voiture et je n'ai jamais roulé avec sur la neige. On nous avons fait quelques essais sur terre, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Je ne pense pas que je serai à 100%, mais on verra bien. Enfin, Sébastien Loeb, double champion du monde, est devenu en 2004 le premier pilote non nordique de l'histoire à s'imposer en Suède. Lui aussi vise une nouvelle victoire. C'est à Karlstad, devant une foule immense, qui est donné le coup d'envoi de ce 55e rallye de Suède. Et comme toujours, Peter Solberg s'occupe de l'animation. Marcus Grönholm est le premier à se présenter sur la ligne de départ. Avec sa victoire au Monte Carlo, il est en tête du championnat du monde. C'est donc à lui d'ouvrir la route. C'est un handicap lorsqu'il neige, car il faut faire la trace, mais là ce n'est pas le cas et le Finlandais en profite pour attaquer d'entrée. Il signe le meilleur temps sur les 18 premiers kilomètres chronométrés de l'épreuve et s'empare donc de la tête de la course. La couleur n'est plus la même, mais la Citroën de Sébastien Loeb est toujours une Xara. C'est au volant de cette même voiture que le Français s'est imposé en 2004. Le champion du monde en titre signe le deuxième temps à 2 secondes 8 seulement de Marcus Grönholm. Plus sur droitier, 100 mètres, attention, droite 120, long tard. Sur gauchier. La bagarre ne fait que commencer. 2003. Quatrième place sur les routes monégasques il y a 15 jours pour Manfred Stoll. L'Autrichien est à l'aise dans une 307 qu'il découvre. Quatrième temps de cette première spéciale, il faudra se méfier de lui. Mikko Hirvonen le devance d'une dizaine de secondes. Le second Finlandais de Ford n'est qu'à 5 secondes de Sébastien Loeb. Pour sa première saison comme pilote usine, la Suède est l'endroit idéal pour démontrer son talent. Henning Solberg, le frère de Peter, roule lui aussi sur une 307. Elle est toute orange, aux couleurs du team OMV Peugeot Norvège. Petite erreur pour le Norvégien pour commencer la journée, mais rien de grave. La grande victime de ce premier chrono, c'est l'équipe Subaru. Chris Atkinson cale au beau milieu de la spéciale. L'Australien limite les dégâts puisqu'il se classe malgré tout sixième. Mais ce n'est pas le cas de son coéquipier.
Peter Solberg est contraint de rouler au ralenti après avoir cassé l'arbre de transmission de son Impreza. 100. Line into full right flash of a crest. Titans minus. Opens extra long. Il perd près d'une minute sur la tête de la course, puis deux autres avant de rejoindre l'assistance. Ce sont déjà les rêves de victoire qui s'envolent. 18. What's happened? Après avoir abandonné à Monaco, la fiabilité des Subaru inquiète et le Norvégien s'énerve. Peter, que se passe-t-il? L'arbre de transmission. Mathias Ekström a pris la place de Gilles Panizzi pour ce rallye. Et comme le Français, au Monte Carlo, il réalise un très bon début de course au volant de la Skoda Fabia du team Red Bull. Après deux spéciales, l'ancien champion de DTM occupe la quatrième place du classement général. Juste devant lui, Mikko Hirvonen continue sur sa lancée et tente de rester au plus près des leaders. Un faux pas est toujours possible ici et le jeune Finlandais veut être celui qui saura en profiter. Et le faux pas, Sébastien Loeb l'a évité de justesse. Une faute d'inattention qui aurait pu coûter cher. En enlevant les feux avant de sa Xara, il oublie de refermer son capot. Celui-ci s'ouvre sur la liaison et casse son pare-brise. En retard au départ du deuxième chrono, il écope de 10 secondes de pénalité et se fait une belle frayeur. Ciel tout droit sur la tension 70 mètres, concentre plus mignon. Et toute la tension, concentre 4 plus de frein, 321 mignon. On a eu un petit souci tout à l'heure entre la 1 et la 2. On a oublié de fermer correctement le capot sur la liaison et on l'a pris dans le pare-brise. Ça nous fait pointer en retard de 10 secondes, plus être un peu gêné par le soleil avec le pare-brise cassé dans la spéciale. Et c'est un petit stress, hein, petit stress du début de rallye. C'est sûr que c'est une erreur, ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent, il ne faut pas que ça arrive du tout. Mais c'est comme ça, il faut l'assumer. On est une équipe, tous soudés, tous ensemble, il faut l'assumer. Ceci étant, ils sont bien revenus là. On est à 11 secondes 6 de retard, 11 secondes 6 d'avance. On est en sandwich entre les deux Ford, mais... on va aller le chercher, ce rallye, c'est ce qu'il faut faire. Seconde par seconde, Marcus Grönholm accentue son avance. Il est également auteur du meilleur temps dans la deuxième spéciale. Le Finlandais est bien au rendez-vous. Sata, haivaseri jouhe. Sata, ja pitkänyppy vaseneri help. Gigi Galli crée la surprise dans le troisième chrono. C'est lui qui signe le meilleur temps. La Suède l'avait révélé l'an dernier. L'Italien confirme son aisance dans cette épreuve, dont il occupe la cinquième place provisoire. 40. Gigi Galli qui roule toujours avec sa Mitsubishi Lancer grâce au team Rally Art Italie. On a commencé très prudemment ce matin. Je pense qu'on a fait de bons choix de pneus. Et puis cet après-midi, on a essayé de conserver notre bon rythme. Tout va bien avec la voiture. Je pense que de bonnes choses peuvent nous arriver. Les ennuis continuent en revanche pour Subaru. Chris Atkinson part à la faute. L'Australien heurte un talus de neige, 1 km seulement après le départ de cette spéciale, et reste coincé plusieurs minutes. Avec le concours de quelques spectateurs, il parvient à repartir, mais n'occupe plus que la 27e place du classement général. Sur ces pistes piégeuses, les erreurs se multiplient. Et même les meilleurs n'en sont pas à l'abri. Marcus Grönholm, leader incontesté, s'offre un petit tête-à-queue et perd 10 secondes. Saata ja nyppy täys.
8, oikein täysylinypyn, 120. Chez Subaru ambiance morose, Peter Solberg est 23e, Chris Atkinson 27e. Début de saison difficile pour les Bleus. David, c'est une journée difficile pour l'équipe. C'est sûr que ce n'est pas notre meilleure journée. Je ne sais pas comment ça aurait pu être pire. Pourtant, nous étions confiants. Peter était en forme après le shakedown. Il trouvait la voiture bien et puis finalement, dès les premiers kilomètres de la première spéciale, il commençait à connaître des problèmes. C'est vraiment dur pour tout le monde, pas seulement pour Peter. Sept pilotes scandinaves dans le top 10. Les Nordiques restent maîtres chez eux. Petite revue d'effectifs de ces pilotes qui évoluent presque à domicile. Kosti Katajamäki est un grand espoir finlandais, c'est le protégé de Marcus Grönholm. Il y a aussi Thomas Rattström sur une Subaru du Team Holzberg, Christian Solberg, Henning Solberg, le frère de Peter, très à l'aise sur la 307 du Team Norvège. Yann Etioino qui court sur une Citroën Xara du Team PH Sport. Et puis il y a aussi deux Suédois particulièrement performants, Mathias Ekström qui termine la première journée en 5e position. Et Daniel Carlsson, 4e. Fort 2-4 över krön, 50. Krön, 100. Break, håll höger, 10, osynligt 10. La plus longue spéciale du rallye au programme de cette fin de journée, 40 km. Andreas Heiner, au volant de la deuxième Skoda Red Bull, part à la faute. L'Autrichien manque encore d'expérience, mais il peut repartir. Un magnifique saut, spectaculaire. Tout autant que sa sortie de route quelques kilomètres plus loin, Luis Pérez Compenque, le pilote privé argentin, se fait peur, mais pourra lui aussi repartir. Cette spéciale est réputée pour cette bosse. Colin McRae a rendu célèbre cet endroit où s'amasse une foule considérable et le concours de saut est sans conteste remporté par Mikko Hirvonen. 38 mètres. C'est la longueur de son saut, mais la suite est moins agréable pour le Finlandais victime d'une surchauffe moteur et contraint de s'arrêter sur le bas-côté. Il semble que le réservoir d'eau s'est cassé brutalement. À partir de là, on ne pouvait plus continuer. Le moteur risquait d'être touché. Si on avait continué, on aurait pu le casser définitivement. J'ai donc préféré m'arrêter. Gigi Galli aime aussi les sauts. L'Italien termine la journée à une excellente 3e place. Mitsubishi n'est plus là, mais sa Lancer marche à la perfection. Dans la deuxième boucle, on a fait un choix de pneus différent. Cela m'a permis d'attaquer davantage et on a obtenu de très bons temps. Demain, on va essayer de poursuivre comme ça. 10 secondes de retard sur Marcus Grönholm. Sébastien Loeb serait ex aequo avec le Finlandais sans sa pénalité de 10 secondes du début de course. On a pris 10 secondes de pénalité ce matin. Là, on se retrouve à 10 secondes de Grönholm, 10.2. Donc... C'est vrai que c'est très serré depuis toute la journée et en tout cas, moi j'essaye de faire mon maximum pour revenir. Lui fait son maximum pour qu'on ne revienne pas et au final, ça fait 3 spéciales, dont une de 40 km où les écarts sont inférieurs à 1 seconde. Quoi. Donc ça roule vraiment très très vite et bon, c'est très serré. Marcus Grönholm a occupé la tête de la course toute la journée. Son duel avec Sébastien Loeb tient toutes ses promesses. Les deux visent la victoire, mais un seul l'emportera. La voiture va bien, on a juste fait quelques petites erreurs. On a perdu quelques secondes dans une ornière de neige. Loeb va très vite aussi, hein. Ça va être une belle bagarre. Le classement de cette première journée, Marcus Grönholm devance donc Sébastien Loeb et Gigi Galli. Suivent les deux Suédois, Daniel Carlsson et Mathias Ekström. La vraie vedette ici sur la neige suédoise, c'est le clou. Ce petit bout de métal de 2 cm qui fait 4 grammes. Chaque pneu en compte 380. Et le clou, tout
touche à 17 reprises le sol par seconde pour une vitesse moyenne de 120 km/h. C'était aujourd'hui la moyenne de Markus Granholm. Le Finlandais est en tête du rallye, il compte 10 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Tout est encore possible. La suite du résumé de ce rallye de Suède, c'est juste après la pub. Nous sommes toujours en Suède, mais ce matin, le bonnet est obligatoire. Il fait moins 22 degrés. Au programme de cette deuxième journée de course, deux duels, celui pour la victoire entre Markus Granholm et Sébastien Loeb, et un autre pour la troisième place entre Daniel Carlsson et Gigi Galli. Ni le froid, ni l'horaire matinal de cette première spéciale du jour ne découragent les spectateurs. Il y a toujours autant de monde au bord des routes enneigées suédoises. Au programme de cette étape, une explication entre les deux pilotes Mitsubishi. La troisième place est en jeu, une troisième place provisoirement occupée par Gigi Galli. Mais Daniel Carlsson n'est qu'à 5 secondes 5 de l'Italien. Le Suédois est chez lui, il connaît ses routes parfaitement. L'Italien a pour avantage de mieux connaître la voiture. Dans ce premier chrono, c'est Daniel Carlsson le plus rapide des deux. Il dépasse Gigi Galli et s'empare de la dernière place du podium. Mais pour 7 dixièmes de seconde seulement, le duel est acharné. On va vraiment tout tenter. Depuis le début de la spéciale, j'ai tout essayé. J'ai touché une bordure. Boum! Et puis j'ai essayé de me calmer, de rester concentré. Je me sens bien, la voiture va bien et je pense qu'on a les bons pneus. Je ne trouve pas que j'ai bien conduit, j'ai perdu du temps. Mais bon, ça va. Mathias Ekström, l'autre Suédois bien placé, débute sa journée par une erreur. Une petite sortie de route dans un virage plutôt lent et ce sont 15 secondes de perdu et une place au général, il est sixième. Sébastien Loeb n'a pas dit son dernier mot. Rattraper Markus Granholm sera difficile, mais lui mettre la pression pourrait s'avérer utile. Le Français se classe quatrième de cette première spéciale. Et gauche en 30 plus mi-cours et attention droite, 134 pour frein pour gauche 80. 100 mètres. Et le plus rapide est encore une fois Markus Granholm, toujours aussi à l'aise. Plus encore qu'ailleurs, le Finlandais sait comment se défendre, mais il préfère continuer d'attaquer. Un meilleur temps pour récompense. Sa satisfaction est totale. Marcus, ce début de journée. On a modifié quelques réglages sur la voiture et c'est encore mieux. Le soleil est radieux mais le froid persiste et le duel entre les deux pilotes Mitsubishi continue. Dans la huitième spéciale du rallye, Daniel Carlsson se classe 9e. Et Gigi Galli, 8e. Il ne se lâche pas. Pour preuve, si l'Italien repasse devant le Suédois au classement général, ce n'est que pour 4 petits dixièmes de seconde. Alors que Markus Granholm continue d'enchaîner les meilleurs temps, la 11e spéciale est terrible pour les pilotes du team OMV Peugeot Norvège. À 2 km de l'arrivée, sortie de route pour Henning Solberg.
un tonneau pour la 307. Mais le Norvégien va repartir grâce à l'aide des spectateurs. Et regardez bien ce qu'il se passe. Le pare-brise brisé et couvert de neige contraint le pilote à passer la tête par la fenêtre pour se diriger. Son copilote trouve la solution. Tout simplement, supprimer le pare-brise. Mais en Suède, il y a de la neige partout et les deux hommes vont en être recouverts. Dans de telles conditions, terminer la spéciale est un exploit. Ils y parviennent et se classent 40e. Ils occupent toujours la 9e place du général. À leur retour au parc d'assistance, leur 307 était la photo à ne pas rater. Henning Solberg, bien refroidi, gardait son sourire. Même voiture, une 307, même virage et même sortie de route pour Manfred Stoll. Les spectateurs essayent de l'aider, mais le moteur de la Peugeot est endommagé et l'Autrichien reste bloqué. Marcus Grönholm est quant à lui toujours aussi rapide. Il accroît encore un peu plus son avance sur Sébastien Loeb. Plus de 25 secondes lors du deuxième passage par le parc d'assistance. Le Français a beau tout essayer, ça se complique. Ça va être assez dur quand même. Il a repris de l'avance encore sur la dernière boucle. Donc ça commence à être assez loin, il est à 28 ou 30 secondes, donc ça va être dur. Pas la moindre faute, Xevi Pons fait une course sage pour rallier l'arrivée. Au terme de cette deuxième journée, il occupe la 9e place. L'apprentissage est plus difficile pour Daniel Sordo. Le jeune Espagnol a appliqué les conseils de Sébastien Loeb et fait une belle course jusqu'à cette sortie de route dans la 8e spéciale. Il abandonne 7 minutes dans ce mur, mais repart avec toujours cette même volonté d'acquérir de l'expérience. Mathieu Wilson dispose d'une Ford privée de l'équipe Stobart. Lui aussi est là pour apprendre. Il termine la journée en 18e position malgré cette sortie de route. Mikko Hirvonen, malheureux la veille, n'a cessé de remonter au classement tout au long de cette deuxième étape. Son objectif est d'arracher un ou plusieurs points constructeurs. Il est 17e. Même situation et même objectif pour Peter Solberg, le Norvégien finit la journée à la 13e place. À la 6e place, une Citroën Xara, celle de Janne Tuohino. Le Finlandais n'est engagé que sur ce rallye pour l'instant. Il a donc une obligation de résultat pour espérer en courir d'autres. Sa prestation pour l'instant est idéale. Mathias Ekström le devance avec sa Skoda Red Bull. Engagé par Armin Schwartz pour ce rallye, le champion de DTM connaît toutes les spéciales par cœur et ne fait pas d'erreur. Le duel des Mitsu se poursuit. Daniel Carlsson et Gigi Galli ont réalisé des temps comparables tout au long de la journée. En cette fin de deuxième étape, ils restent au coude à coude. Avantage aux Suédois qui occupent la 3e place. Gigi Galli est donc 4e. Il n'y a que 3 dixièmes de seconde entre vous et Daniel Carlsson. Vous pensez pouvoir le passer et monter sur le podium ? Je pense à beaucoup de choses, mais en réalité, j'en sais rien. On verra demain. Vous allez tout faire pour ? Absolument. Bien sûr. Daniel Carlsson n'entend pas se laisser faire. Daniel, ça fait longtemps que vous n'êtes pas senti aussi bien dans une voiture de rallye. Ah ouais, je suis vraiment ravi, c'est fabuleux. Être troisième de mon propre rallye en Suède, c'est génial. Gigi est 3e seulement derrière vous, vous allez vous en sortir demain ? Oui, je vais tout faire pour. Il conduit vraiment vite et ça se joue à pas grand chose dans chaque spécial, mais je vais donner le maximum de moi-même. Sébastien Loeb termine la journée comme il l'avait commencé, en deuxième position, mais son retard sur Marcus Grönholm est de 25 secondes. Revenir à la régulière sera difficile, mais bien évidemment, tout reste encore possible.
et gauche 680 mètres. Ce matin, on est parti bien motivé pour essayer de les remonter. Et puis, au fur et à mesure de la journée, c'est lui qui a toujours été un peu plus vite. Marcus Grönholm, impérial. Et pourtant, le Finlandais ne crie pas encore victoire. Il sait que son premier poursuivant s'appelle Sébastien Loeb, un adversaire qui ne lâche jamais. Marcus, on se dirige vers une victoire demain. Non, pas encore. Il reste si spécial. Il faut que tout se passe parfaitement comme lors de ces deux premières journées. Bon, tout va bien pour le moment, mais il faut encore bien conduire et il reste pas mal de kilomètres. Au classement, 25 secondes d'avance pour Marcus Grönholm sur Sébastien Loeb. À noter la présence de 8 pilotes scandinaves parmi les 10 premiers. Il a neigé une bonne partie de la nuit et il fait toujours aussi froid, mais tous les moyens sont bons pour se réchauffer. Encore de nombreux pièges seront au rendez-vous de cette dernière journée. 6 spéciales sont au programme et dès les premiers kilomètres, une première victime. Mathias Ekström, pourtant 5e du classement général, part à la faute. Le Suédois se fait surprendre par une bosse et doit abandonner. Ça va toujours aussi vite en ce début de journée, surtout du côté des Mitsubishi. Deux pilotes se disputent la troisième marche du podium. Le grand duel continue entre Gigi Galli à gauche et Daniel Carlsson à droite. Au départ de cette dernière étape, Daniel Carlsson a l'avantage pour 3 dixièmes seulement. Dans la 14e spéciale, le Suédois est plus rapide de 5 dixièmes. Il porte donc son avance à 8 dixièmes. Il n'en fallait pas plus pour le ravir. Gigi est derrière vous, vous êtes repassé devant. Parfait. Bon départ, parfait. Vous pensez que vous allez tenir? Je vais tout donner pour garder cette position aujourd'hui. Je vais tout donner. Mais dans la 15e spéciale, l'Italien prend sa revanche. Gigi Galli repasse devant, 1,7 seconde d'avance. Dans la 16e, Daniel Carlsson récupère sa 3e place pour 7 dixièmes, avant de la perdre de nouveau dans la 17e. Pendant ce temps, d'autres connaissent quelques ennuis. C'est le cas d'Henning Solberg. Le Norvégien heurte un mur de neige un petit peu trop violemment. Il parvient néanmoins à terminer malgré un problème de roue et abandonne 3 minutes supplémentaires et 2 places au général. Abandon définitif par contre pour l'Autrichien Andreas Aigner, victime d'un problème moteur. Il n'y a plus de Skoda Red Bull en course. Sébastien Loeb tente par tous les moyens de rattraper son retard sur Marcus Grönholm, mais le Finlandais contrôle. Marcus Grönholm part 2 minutes après le Français et a connaissance de ses temps intermédiaires, ainsi il peut se caler sur ceux de son adversaire. Mais le coup de théâtre aurait pu se produire dans la 16e spéciale. Sébastien Loeb la remporte et reprend 10 secondes à Marcus Grönholm. L'avance du Finlandais a fondu comme neige au soleil à cause d'un filtre à huile défectueux. Heureusement pour le récent vainqueur du Monte Carlo, un passage par l'assistance est prévu à ce moment-là et ses mécaniciens en profitent pour changer la pièce. Le Finlandais Janne Tuohinen dispose d'une Citroën Xara louée par l'équipe PH Sport. Il fait une course excellente depuis le début, particulièrement à l'aise, particulièrement rapide. C'est donc en toute logique qu'il occupe la 5e place du général. Malheureusement pour lui, tout s'écroule à 700 mètres seulement de la ligne d'arrivée. Il doit abandonner. Henning Solberg profite des derniers abandons, il accroche la dernière place dans les points, il termine 8e. Juste devant lui, Xevi Pons réalise une très belle performance, l'Espagnol du Team Chronos est récompensé pour sa sagesse, il n'a fait aucune erreur et se classe 7e. L'équipe Stobart Ford marque ses premiers points constructeurs grâce à ses deux pilotes, Matthew Wilson termine 13e. Kosti Katayamaki, 6e. Thomas Rattström avait remporté l'épreuve en 1994. 12 ans plus tard, il offre au team Rally Osberg
l'un de ses plus beaux résultats avec une cinquième place. C'est la toute dernière spéciale du rallye qui a permis de départager les deux pilotes Mitsubishi. Au départ de cette ultime chrono, Daniel Carlson ne comptait que 0,2 seconde d'avance sur Gigi Galli. Malheureux, l'Italien connaît des problèmes de boîte de vitesse et perd son troisième rapport à mi-parcours. Le Suédois le devance de 7 secondes et s'offre le tout premier podium de sa carrière en mondial. Il n'en revient pas. C'est incroyable. Vraiment génial. J'avais jamais été autant excité entre la ligne d'arrivée et ici, de toute ma vie. Je suis vraiment heureux, j'ai encore du mal à y croire. Daniel Carlson a hérité de la Mitsubishi prévue pour Arrigo Vampera, forfait à la dernière minute. Il a pu prendre le départ grâce à une dérogation de la FIA et à l'agrément des autres concurrents. Gigi Galli, lui, se console avec une quatrième place. L'Italien ne connaît pas son programme pour la suite de la saison. Il a reçu une proposition de Red Bull mais n'a pas encore fait connaître sa réponse. Sébastien Loeb n'a rien pu faire, Marcus Grönholm était irrattrapable. Le Français termine donc à la deuxième place comme au Monte Carlo. Un résultat tout à fait satisfaisant pour le champion du monde en titre. Il possède plus de points au championnat du monde qu'à la même date l'an dernier. Dans le dernier tour, on tente encore des choix de pneus osés qui n'étaient pas forcément les meilleurs non plus, mais... Je savais qu'à la régulière, avec les mêmes pneus que lui, je me doutais de ce qu'il allait mettre. Je me suis dit, avec les mêmes que lui, de toute façon, je ne vais pas lui reprendre 15 secondes, j'ai essayé autre chose. Et puis voilà, bah, finalement, c'est lui qui était le plus vite. Donc j'ai essayé un peu dans la une, ensuite j'ai commencé à calmer le jeu et on a fini tranquille. Daniel Elena, son copilote, reconnaît que revenir sur Marcus Grönholm était impossible. Remarquez, c'est qu'on a l'impression que Marcus, il jouait avec nous, parce qu'il jouait avec nos splits et tout. Il était toujours dans notre seconde et quand il voulait nous en mettre, il nous en mettait. Donc je pense que là, on a tenu la pression au maximum, mais bon, il n'a pas fait de faute, donc il mérite largement sa victoire. La victoire revient donc à Marcus Grönholm. Pour son deuxième rallye au volant d'une Ford, il remporte son deuxième succès le jour même de ses 38 ans. Happy birthday to you, happy birthday. Il offre à Ford son 50e succès en championnat du monde des rallyes, le premier en Suède depuis 1978 et Björn Valdegard. Je suis content parce qu'ici c'est une vraie victoire. Au Monte Carlo, c'était une course d'attente. Là, il y a eu de la bagarre fantastique entre Ford et Citroën, et entre Sébastien et Marcus jusqu'à la fin. Et on a réussi à garder le devant, mais c'était pas facile. Marcus Grönholm remporte 10 spéciales contre 8 à Sébastien Loeb et s'impose pour la quatrième fois de sa carrière en Suède. C'était ici même qu'il avait remporté sa toute première victoire. C'était en 2000. Aujourd'hui, c'est sa 20e. Une victoire pour votre anniversaire. Mon anniversaire, ouais, mais le plus important c'est la victoire. Deux rallyes et deux victoires avec la Ford. Oui, c'est vraiment super. La voiture est très compétitive, c'est bien pour l'équipe de gagner, mais il faut continuer à travailler. Il faut que j'apprenne à la conduire sur terre, par exemple, pour les prochaines manches. Mais je pense qu'elle sera bien. Le classement final de ce 55e rallye de Suède, victoire de Marcus Grönholm avec 30 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Daniel Carlson complète le podium, suivent Gigi Galli, Thomas Rathström et Kosti Katayamaki. Au championnat du monde, Marcus Grönholm est donc en tête avec 20 points marqués sur 20 possibles. Sébastien Loeb est à 4 points, Tony Garmeister et Daniel Carlson se partagent la 3ème place. Stéphane Sarrazin est 7ème avec 4 points, Peter Solberg est toujours à 0. Enfin, du côté des constructeurs, Ford est en tête avec 26 points, soit 2 de plus que Kronos Citroën. Le team OMV Peugeot Norvège est 3ème. Une victoire en cadeau d'anniversaire. Marcus Grönholm s'est donc imposé en Suède une nouvelle fois. Il remporte son deuxième rallye en 2 courses chez Ford. Depuis qu'il est dans sa nouvelle équipe, il renoue avec la victoire. Sébastien Loeb, battu à la régulière, termine donc 2ème. On se retrouve pour la prochaine manche. Ce sera dans un mois au Mexique. Il fera certainement un petit peu plus chaud. Bonne nuit à tous.